Ah mais vous êtes trop collants quoi. Bon allez, salut à tous. On se retrouve en compagnie, c'est exceptionnel, de Tidus, Grébi et Enoa. Hello. Hello, hello. Salut. Et on se trouve sur le serveur de la Mindserve Exposition qui vient juste d'ouvrir là ce soir, ou cet après-midi, enfin pour moi elle ouvre ce soir parce que de toute façon on pouvait pas venir avant. Et du coup là on est en pleine visite, on a vu énormément de choses super sympas. Je vous invite à aller tous faire un tour, vraiment c'est... Il y a des super constructions, il y a des mini-jeux, il y a vraiment des projets dans tous les sens, c'est vraiment super. Puis bon du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer un petit peu mon stand. Allez. Donc il est derrière. Certains d'entre vous l'auront reconnu. Vous venez les copains. Ouais. C'est parti. Oui. Bon, c'est pas moi qui ai construit le dessous, la partie en pierre et en comment ça s'appelle, en brique. Ça, en fait, c'est pour tout le monde. Hein. Après, par contre, le reste. Non, parce que la brique, c'est chiant à. Hop, je l'ai poussé. À récolter, à farmer. Oui, enfin, ça a été construit en survie, hein, donc c'est pas trop grave. Ça a été construit en survie, donc c'est pas trop grave. Alors, en créatif, je veux dire. Vous avez vu que vous êtes observé un peu partout en fonction de là où vous vous déplacez. Ah, ça suit le regard. Eh ouais. Eh ouais. Il vous suit le regard. C'est la technologie. Ouais. Des yeux autodétecteurs. Bon bah, bienvenue en Égypte. Alors du coup, un petit bout d'Égypte. Hein. Ah oui, un petit, oui. Bon, j'ai remis tous nos noms, mais... C'était à l'époque, c'était il y a un mois, donc il y a presque. Ouais, parce qu'il a essayé de nous engrainer là-dedans, mais bah, vas-y, mais va-t'en avec ton truc. Bon, j'ai mis votre nom quand même, mais c'est vrai, on m'a pas beaucoup dit. Mais il y a quelqu'un à chaque fois qui passe et qui relève les plaques. Enfin, qui fait ça. Bien joué, Grébi. Voilà. Bravo. C'est trop tentant. Non, il faut pas. Bon, bah, du coup, j'ai mis un petit. Un petit aperçu de l'Égypte. J'ai refait mes petites maisons, j'ai fait des petites ruelles. Ouais, on peut monter sur le toit. On peut voir donc le petit buste. C'est pas un sphinx d'ailleurs, c'est plutôt une statue, un buste. Je sais pas. Et puis on peut... Là j'avais fait un petit truc sympa avec fontaine, enfin pas fontaine, bassin, et puis au-dessus de la végétation. Tu feras gaffe, Tidus il va faire pipi dedans. Oui c'est vrai, Tidus il a déjà fait pipi dans la maison de Mila. Oui. D'ailleurs, si vous passez sur le serveur, vous pourrez aller voir la maison moderne que Mila a construite. Je pense pas vous le montrer parce que là c'est vraiment une toute petite vidéo histoire juste de vous montrer ce plot là. Mais venez voir, il y a énormément de choses dont la maison de Mila. Ah, tu fais du pire. Ouais voilà, évidemment Tidus, t'as fait pipi. Et puis du coup je savais pas comment ça allait être intégré au départ, donc je pensais, comme on a construit ça avec que des gens, enfin tous les plots étaient côte à côte. Il y a des zombies. J'ai entendu un zombie, sûr et certain. Du coup j'avais fait en fait comme si on pouvait voir en coupe les intérieurs en fait. Mais là du coup ça fait bizarre parce qu'on comprend pas pourquoi on voit en intérieur. Mais je pense qu'il est à l'intérieur de ton sphinx. Enfin, de ton buste. Ah. C'est pas possible, ils sont pas en... Je pense. Ils sont pas en peaceful. Je pense, hein, parce que... Et puis même, on prend aucun dégât, rien. Mais on peut pas rentrer à l'intérieur du sphinx. J'avais rien fait dans le sphinx. Enfin bon. Enfin voilà, donc c'était la petite visite. C'est tout petit, hein. Ça faisait 40 blocs sur 40 blocs, je pense. Mais en tout cas, il y a énormément d'autres choses à voir, hein. C'est vraiment gigantesque. Ne serait-ce que le hall central, l'accueil, les lobbies, les scènes principales. Il y a aussi des scènes secondaires. Il y a les stands des serveurs RP, des serveurs créatifs, des serveurs modés. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, c'est super grand, c'est super grand. Et il y a pas mal de choses à voir, des choses très intéressantes à voir. Plein de bonnes idées à repiquer, donc n'hésitez pas à venir, je vous mettrai le lien dans la description, évidemment. Et puis voilà, comme ça au moins, même si vous n'arrivez pas à retrouver, parce que mon stand à moi, il est très très loin, hein. Il faut bien se balader dans la partie consacrée aux youtubeurs avant de le trouver. Il n'est pas très loin de celui de Mila, hein. Celui de Mila, il est juste par ici, là, pas loin de celui de Bibi. Et puis le mien, il est là, donc voilà. Bon bah, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne, et puis... d'autres vidéos en compagnie de Grébi. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Enora aussi. De Tidus également.
Ouais, pub gratuite, placement de produit. Allez, à bientôt tout le monde. Salut, salut. Salut. Ciao. Salut.